Il ne l'a pas touché. Oh putain, il ne pouvait rien faire. Merci l'arbitre. Merci l'arbitre. Il ne l'a pas touché. Allez blanc, derrière, allez blanc, allez. Ah mais ils sont tous montés, puis au milieu, il n'y a plus rien. La saison se termine en championnat, mais je suis super fier de mon équipe, super fier du parcours. Un groupe adorable, c'est que du bonheur tous les dimanches. J'ai hâte
d'être le dimanche pour pouvoir les retrouver sur le terrain. Ils sont adorables, respectueux. Et j'ai vraiment un super groupe et je suis plus qu'heureux aujourd'hui. Mais plus qu'heureux. C'est que du bonheur d'être à Boubert. Fier de mes couleurs, fier de mes couleurs. Cette saison, bah, une saison invaincue, 20 matchs, aucune défaite. Quoi. On a fait juste 2 matchs nuls à domicile, sinon on a tout gagné. Donc une saison qui restera dans l'histoire du club. Comme la précédente où on avait été très loin en Coupe de France, où j'avais énormément kiffé cette Coupe de France. Là, cette année, c'est le championnat. On vient d'être promu et une fois de plus, on accède à la D4. Ça fait deux accessions en allant. Donc franchement, mes félicitations à tout mon groupe. Je suis trop fier de mon groupe. Trop fier de mon groupe. Et je suis fier d'être à Boubert et je suis fier d'être le coach à Boubert. Franchement. Maintenant, il reste un objectif, c'est la Coupe du Tournoi. Pour moi, elle était totalement secondaire. Maintenant, vu que j'ai plus rien à jouer, vu que la saison se termine, on est en quart de finale. On va jouer Perne. Bon, face à une équipe de Perne ici, ça va être compliqué parce qu'ils sont à peu près au même niveau que nous. Ils sont en D5 et ils sont 3e. Donc, ça va être compliqué. En plus, je pense qu'ils seront très motivés parce qu'ils organisent la finale. Mais bon, nous, chez nous, après la saison qu'on vient de faire, je pense qu'on aura du répondant aussi. Je pense que ça sera un très gros match. Et puis, bonheur aux gagnants, mais on va tout donner. On va tout donner. Maintenant, je ne m'interdis pas d'aller chercher la Coupe du Ternois. On fera un doublé, ça serait quand même magnifique. Je serais très fier d'aller chercher le doublé, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on sort en Coupe de France, en Coupe du Ternois, pardon, la saison restera gravée dans mon cœur et je ne l'oublierai pas celle-là. Ça, c'est sûr, je ne l'oublierai pas. Merci le Gobelin. Merci.